Bonjour, bienvenue donc sur la Côte d'Azur. Nous allons pratiquer la pêche au Danringer, de la céréole, du Dunty, avec comme vif le calamar. Donc cette pêche commence déjà très tôt le matin pour essayer d'attraper les calamars vivants. Une dizaine de calamars suffiront pour pratiquer cette pêche. Le calamar se pêche donc généralement à la traîne avec des turlutes et des paravanes, comme nous avons vu dans un numéro précédent, le numéro 13, où l'on pratiquait la pêche du calamar sur la région de Nice avec toute une technique de tangon, de paravane et de turlute. Avec un rapala articulé généralement en fin de ligne, plus une paravane pour donner la profondeur à la ligne. Donc plusieurs lignes pour varier la profondeur pour essayer de les retrouver. On utilise des tangons pour écarter les lignes à l'extérieur du bateau, plus une ligne généralement dans l'axe du bateau, donc ce qui permet d'augmenter nos chances pour faire un maximum de vif en peu de temps. Donc la pêche du calamar généralement se pêche on va dire 1 heure avant le lever du soleil ou 1 heure au coucher du soleil. Donc c'est un temps très court où il faut optimiser au maximum, c'est pour ça que j'essaye de mettre un maximum de lignes, donc un maximum de turlutes dans l'eau, pour faire, vu la quantité de calamars qu'il y a actuellement, pour essayer d'en faire au maximum, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine, déjà on peut faire une belle partie de pêche relativement correcte. De là après, donc j'utilise un matériel relativement fin pour essayer de m'amuser au maximum, même sur des petits poissons. Donc là par exemple c'est une canne stand-up de 12-20 livres, il la donne, mais avec une très grosse réserve de puissance quand même, hein, on arrive à faire de belles céréoles l'été, même de 30 à 40 kg en s'amusant. Après j'ai une autre canne là-bas, un peu plus longue, il la donne en 30 livres, mais étant plus longue, elle est encore plus souple, donc sur un dunty même de 5 kg, on peut s'amuser et vraiment prendre du plaisir, quoi. Au niveau moulinet, j'utilise donc un 20 livres, relativement costaud aussi, mais bon, c'est une pêche. Dans l'extrême, on peut taper un espadon. Un espadon de 100 kg, il peut taper sur mon calamar. Donc il faut une réserve de fil d'au moins 400 à 500 mètres. En 60 livres, c'est déjà pas mal. 60, 65 livres, ça sert à rien de monter plus. On peut, mais bon, il y aura plus de prise au courant. On arrivera à moins maîtriser la ligne. Après, donc je termine ma tresse avec une agrafe. Ce qu'il y a de plus courant, hein, relativement costaud. Et après, j'ai tous mes montages qui vont en fonction de la taille du calamar. Donc ils sont réglables et adaptables. Donc un gros calamar, je vais mettre plus de trident, un gros hameçon. Les petits calamars de 15 cm, je vais mettre juste de petits hameçons pour essayer de ne pas trop mettre de ferraille dans l'appât pour le poisson. Les bas de ligne, généralement, je les fais en 80 ou 100 centièmes. Surtout pour l'abrasion, quand la céréole veut se frotter au fond contre les rochers et pour éviter des coupes, même sur des sabres ou d'autres poissons qui pourraient éventuellement couper. Pour ce qui est du détail du montage, nous allons le voir plus tard. Et là, nous allons esquer un calamar et se mettre en pêche. Donc, toujours faire attention, parce que le calamar aurait tendance à vous mordre. Pour ce qui est du détail et l'emplacement des hameçons, on regardera plus tard, après avoir confectionné un bas de ligne. Voilà, le calamar est prêt. Regardez, il veut pas aller à l'eau. Allez. Même si tu vas aller la voir. Allez. Un appât roi. Donc avec ça, vous pouvez tout attraper. Hein. Dunty, céréole, mérou, espadon dans l'absolu. Regardez, il va plus vite que le bateau. Voilà. Donc voilà, à faire gaffe. Plus vivant que ça, on peut pas. Hein. Regardez. Il crache, il avance. Donc là. Donc le principe du Danringer, c'est faire descendre l'appât en direct avec la ligne à l'aide d'un treuil et d'un plomb d'environ 5 à 7 kg. Donc là, on libère la ligne sur une vingtaine de mètres. Donc on va enlever le cliquet. On lâche le calamar tout en gardant une petite tension pour pas qu'il s'en mêle dans les tripes.
Donc le treuil généralement est garni d'une tresse de 120 livres à peu près pour soutenir le plomb, donc qui est relativement lourd quand même. Donc le plomb, j'utilise des plombs discoïdales pour bien fendre le courant et pour éliminer tout frottement et toute prise au courant. Donc il descend beaucoup plus facilement que le plomb boule hein, quand même, qui offre plus de résistance dans l'eau quoi. Donc le plomb est relié au treuil. Et au plomb est reliée une pince déclencheuse. Donc cette pince permet d'accrocher la ligne de ma canne à pêche et de la relier au plomb. Donc, essayons de comprendre ce système. Vous avez votre ligne qui descend, elle est fixée au plomb. Et à la touche, le plomb étant tendu, cela offre une résistance, le poisson va tirer. Et tac, je vais me retrouver en direct avec le poisson. C'est ça l'avantage de cette pêche. On est en direct avec le poisson, le treuil ne sert juste à faire descendre l'appât à la profondeur que l'on veut. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que généralement ces poissons, dunty, céréoles, sont plus ou moins à ras du fond. Donc on va, sur un fond de 40 mètres, on va faire descendre les appâts entre 30 et 35 mètres. Et c'est là qu'on optimise nos chances d'attraper du poisson, quoi. C'est l'une des seules techniques à pouvoir aller chercher le poisson si profondément en traîne. Donc là on a un compteur métrique qui nous permet de savoir à quelle profondeur évolue le plomb, donc la ligne. La ligne étant légèrement au-dessus avec la bannière et le courant du fil. Donc là je débraille mon moulinet et je fais descendre tout doucement mon plomb. Tout en tenant tendu au maximum, donc j'augmente un petit peu le frein. Cela permet de diminuer la bannière à la fin, quoi. Moi j'aime bien faire des étapes de palier, même s'il y en a qui me disent que ça sert à rien, mais dans la tête je sais que mon vif il va descendre petit à petit et pas d'un coup. Donc cette pêche se fait à la traîne bien sûr, avec juste la vitesse enclenchée. Donc après selon les bateaux, il faut essayer de naviguer entre 1 et 3 nœuds. Voilà. Maintenant adapter la vitesse en fonction du courant et du vent pour essayer de manœuvrer relativement rapidement. Donc on continue à faire descendre le plomb pour essayer de se rapprocher le plus du fond. Donc là j'ai 32 mètres au sondeur. Je mets 34 parce qu'avec l'angle, plus ou moins, on peut rajouter même 5 mètres. Si on voit qu'il y a de l'angle au niveau du treuil, on peut rajouter 5 mètres, on ne touchera pas le fond. Maintenant si on voit que le plomb est droit d'aplomb perpendiculaire, là je mets généralement 5 mètres au-dessus. Donc là ça nous laisse une marge. Et après toujours bien tendre, ce qui permet à la touche que le poisson se ferre automatiquement sur la canne. Plus vous laissez de mou, plus il a de la marge, et donc à ce moment-là, le ferrage n'est pas instantané. Donc là, je règle bien mon frein. Et je remets le cliquet pour essayer d'avoir un peu de musique au départ. Donc cette pêche est relativement difficile quand même, que c'est une pêche active hein, à croire. Normalement, la traîne, c'est une pêche plus ou moins tranquille, où on peut mettre les leurres et traîner tranquillement. Là, il faut tout le temps avoir l'œil sur le sondeur et adapter le plomb en fonction du fond. Donc soit vous montez 10 mètres au-dessus et à ce moment-là ça vous laisse une marge et vous pouvez traîner tranquille. C'est pas tout à fait cette pêche-là qu'il faut pratiquer, quoi. Donc là vaut mieux plutôt avoir l'œil sur le sondeur et bien être attentif à tout mouvement de rocher. Essayer de rechercher un maximum de roches parce que généralement la concentration de poissons se fait autour. Donc dès que vous voyez qu'au sondeur la profondeur diminue, donc vous passez de 35, vous montez d'un coup à 30. Hop, de suite, il faut remonter en premier le treuil. Vous l'arrêtez et après, tranquillement, vous retendez votre ligne. Et inversement, quand le fond descend, vous débrayez en premier tout en mettant la main et en enlevant le cliquet. Donc ça fait qu'avec ma main, je tiens le baril du moulinet et à ce moment-là, je redescends. Je referme et on retend un petit peu. Et donc là, on attend jusqu'au prochain changement de profondeur. Ah, touche, 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 touche. Hop, décroché. Ah, décroché, ouais. Ou c'est déclipsé. Et c'est pas une céréole, ça. Bon, mais là, on a eu une belle touche.
Il s'est décroché, mais j'ai même pas pu le ferrer. Hein. J'ai pas ferré le poisson, hein. Donc il avait déjà recraché. Ça arrive aussi, quoi. Hein. Un pour le poisson, zéro pour nous. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Dans peu de temps. Donc comme vous pouvez voir, on est toujours en train de regarder le sondeur et s'occuper de la canne. À 35 mètres de fond, 38, hop, je remonte un peu. Voilà, je tends bien ma ligne. Et on regarde et on avance. Ah, c'est ma gamine. Oui, 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 ça va bien et toi, comment ça va? Ouais, on vient d'arriver là. Ce matin, on a fait quelques calamars, là, on s'est mis en pêche. Et apparemment, il y a toutes les conditions qui sont au maximum pour qu'on touche un beau poisson. Non, non, pas fait un poisson. Ah, eh ben voilà, merci Chouchou, merci Chouchou. Merci. Poisson, merci Chouchou. Allez, ciao, bisous, Chouchou. Allez. Ouais, poisson là. Baudrier, s'il vous plaît. Ah, gros poisson là. Ah, il revient. Et viens au bateau. Bon. Allez. Voilà. Le gros calamar. Hein. Comme quoi, il faut mettre des gros appâts. Tu gères ton plomb? Ouais, ouais, je gère tout. Donc là, on remonte le treuil pour se libérer le passage. Un beau poisson. La céréole, là. Hein? T'as calé. Hey. En plus, Didier, on va insister là, parce que les taches de paille n'hésitaient pas tout à l'heure. Hey. 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 J'ose pas serrer le frein. Ouais, je vais la remonter, je vais la remonter. Ouais, t'es au-dessus du moteur. Gros poisson. Oh putain, viens en bateau. Alors toujours rester tendu. Le moindre mou, on peut la perdre. Elle vient au bateau, elle vient au bateau. Allez, allez. Et là? Non, 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 non. Ah. Donc là, on remonte toutes les autres cannes pour se laisser la place, vu que c'est un beau poisson. Enlève la vitesse. Parce qu'elle vient au bateau, là. Elle nage dans le même sens. Elle vient, elle vient. C'est horrible. Donc là, quand elle vient, il faut faire gaffe, parce qu'à tout moment, elle repart d'un coup. Et là, elle vous casse tout. Tu vas pas embarquer, là? Ah, peut-être. Hein. Ouais. Mais emmène ta canne. Donc là, on pompe. Toujours tendu la canne. Le gant, tu l'es où? J'en ai un gros là. Hop.
donc des cannes fines, mais à la fois avec une bonne réserve de puissance. C'est très agréable au combat. Même un petit poisson, on s'amuse bien. Là, on la voit, elle est à 10 mètres sous le bateau. Elle est là. Elle a l'air belle. Ouais, pas mal. Ouais. Allez, elle est encore bien fraîche. C'est bon? Allez, on continue. Bravo. Hein? Quand même. Ouais, de suite on a vu le gros calamar. Gros poisson, regarde le poisson qu'il y a là. Ouais, j'ai dit, tu vois, la persévérance. Ça paye. Allez, on continue, on a encore des vifs à mettre à l'eau. Donc comme convenu, nous allons réaliser un montage pour pêcher la céréole au Dunringer avec comme appât un calamar. Donc là, on va faire un montage pour un calamar d'environ entre 15 et 30 cm de long. Donc on va utiliser comme corps de ligne un 80 centièmes, un monofilament, donc il annonce pour 70 livres. Un hameçon d'environ 6-0, fort de fer. Un triple, ça doit être du 2-0, 3-0, fort de fer aussi. Un bout de fil de cuivre et un émerillon baril pour terminer le montage. Donc là, je prends mon 100 centième, je passe le trident dedans. Après, je prends un petit bout de fil de tresse, par exemple, ou du fil à ligaturer un peu costaud. Et là, je fais une ligature sur le principe d'un nœud d'hameçon. Hein. Ce qui va permettre au trident de coulisser sur le corps de ligne et de l'ajuster en fonction de la taille du calamar. Donc là, je repasse dans la boucle. C'est un nœud d'hameçon à palette. On serre tout ça. Donc, le trident coulisse. Donc, je vais couper ma tresse. Donc, trident qui coulisse, adaptable. Donc pour terminer le montage, un hameçon 6-0. Et je fais un nœud palomar. Donc on passe le fil dans l'anneau de l'hameçon. On crée une boucle. On tourne 5-6 fois. Moi j'aime bien faire un petit nœud de sécurité. Voilà. Là je coupe. Donc celui-ci ira se glisser dans la tête du calamar et celui-là sur le cornet. Avec mon fil de cuivre, je fais une espèce de ligature mais à peine serrée. Spire autour. Donc j'ai mon fil de cuivre qui coulisse, mais relativement dur hein, quand même. Donc le fil de cuivre, lui, ira se loger dans le cornet avant du calamar et permettra la traction derrière le plomb. Donc là, je prends à peu près 2 mètres de fil. Voilà. Et je viens y fixer les mérillons, toujours par un nœud palomar. Petit nœud de sécurité. Voilà. Donc là, le montage est fait. Nous allons prendre un calamar mort pour vous montrer comment est-ce qu'est le calamar. Pour pas gaspiller un appât. Donc, je vais faire la place, on va le faire ici.
un calamar mort de la taille que je vous ai annoncé, un peu moins de 30 cm. Vous le mettez sur le dos, vous essayez de le tenir qu'il ne vous morde pas quand il est vivant. Et là, à ce moment-là, vous prenez bien votre hameçon, vous passez entre les deux yeux, vous essayez de ressortir la pointe de l'hameçon au niveau du bec. Ça ira tout seul, hein, normalement. Le tout, c'est pas se faire mordre. Il y en a qui sont agressifs, d'autres non. Vous le retournez dans l'autre sens, vous prenez votre trident et là, vous y plantez deux grosses parties des pics sur le cornet. Et le bout de fil de cuivre dans le cornet. Voilà, juste comme ça. Et ça va vous faire un magnifique appât. Pas hésiter à la serrer fort hein, pour pouvoir bien tendre la ligne sur la pince. On regarde bien que tout se mette bien en ligne, parce que des fois ça peut faire un tour autour. Mouliner débrayé, bien contrôlé, et on fait descendre. Au fur et à mesure que ça déroule, on peut freiner un peu plus. Ça diminue la bannière. Un petit palier à 20 mètres. Allez, on continue. Trame 3 au sondeur. Et 33 sur le trail. On tend tout ça. Et c'est parti. On va se refaire un passage là, Yann. Ouais, beaucoup de poissons là, il y en a encore. Donc quand on dit beaucoup de poissons, c'est éventuellement les céréoles qui regroupent en boule tout le poisson fourrage, bug, je ne sais pas ce qu'il peut aller, maquereau. Donc généralement quand on voit les boules bien concentrées de poissons, il vaut mieux tourner autour pour éventuellement et là, taper une céréole. Oh, 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 poisson. Touche. Oh, oh, bobo. Ah non, il n'éclipse pas. On va te mettre le baudrier quand même. Allez. Céréole encore. Donc on pilote, on essaye de faire une courbe sur le côté de la touche pour envelopper le poisson. Viens m'enlever le plomb, Yann. Allez. J'ai la pince qui traîne derrière. Donc la canne plus fine, matériel plus fin, tresse plus fine. Là c'est du sport. Moins, plus sportif, mais moins de pression. Dès qu'elle le permet, on essaye de lui reprendre un peu de fil. Hop. Là, c'est elle qui en prend. Hop. Chacun son tour. Un peu moi, un peu toi. Hop. Hop.
Ah, papa. Ça, c'est la sensation qui est toujours désagréable dans les bras, là. Poisson perdu, décroché. Bon, on va remettre un nouveau vif et on va replonger, il doit en avoir d'autres. Bon, poisson, il a gagné. Ah, touche. Ouais. Allez, je m'occupe du truc. J'ai débrayé. Hein. Non. Oui. Le baudrier Ah, peut-être, ouais, monsieur. Non, j'aime pas celui-là. Ah, monsieur a des goûts. Monsieur préfère les petits baudriers. Il est plus string que grosse culotte. Toujours pas de vision. Ça, le plus difficile, c'est faire le premier poisson. Après, ça s'enchaîne. Je vais prendre une petite gaffe. Ah, ça y est, on le voit. Ouais, sérieux. Ouais, l'air bien. Ouais, pas mal, ouais. Ah, bien avalé. Celle-là, on va la garder. C'est un beau poisson. Allez. Eh ben, l'air de rien. On a encore. Ah, la famille du lierre, elle se débrouille pas trop mal. Bon, il nous reste quelques cartouches. La capellina, la rosa e l'ulira, lo porte la marina. Touche. Paiuma suida. Allez. Canti la suppieta, non hai soli canzon, lo festa tu lo vieta, la mia bella nanu. Petit poisson, hein, je sais même pas si c'est une céréale. Ouais, c'est un petit poisson. Peut-être un denti, on va voir. Ça a l'air nerveux quand même pour un denti. Gobi. Petit poisson, c'est un sort ou quoi? Danube. Ah non, qu'est-ce que vous voulez? Le denti. Tu le voulais, le denti? Regarde. Il est là. Petit denti qui a tout mangé et qui a vomi même un poisson. Ouais. Celui-là, il va être difficile à relâcher, il saigne. Et il a bien. Il est bien pris dessous. Vous pouvez voir les belles couleurs du denti. Donc, ça, c'est un très très beau et très très bon poisson. On peut voir les couleurs bleutées, dorées. Vous voyez le bout de poisson qui il est en train de vomir? Allez, on va continuer, hein. Apparemment c'est une très bonne journée. Allez. Ah, touche. Non. Maintenant, il y a. Hein?
capellina, la rosa et l'oulina. Il te plaît celui-là? Il te plaît davantage? T'as bien le récupérer, Yann. Comme j'ai le bas de ligne qui est long. Il va mettre en haut. Oula, ouais, moyen. Il est pas à bord celui-là. Yes, hein, il m'a trempé, mais il est là dans le bateau. Allez, départ. Trop facile ça, si à chaque fois que tu demandes. C'est un denti ça. Il éclipse pas. Denti ou tanude. Mais. C'est violent pour un denti. Non. Je me le déclipse, hein. Allez. On va faire l'ancienne. Hein. Ouais. Pas de baudrier. Bon. Non, c'est un denti ça. Non, pas denti, peut-être pas. Un petit baudrier. Peut-être pas baudrier. C'est incroyable comme elle était molle au début et d'un coup comme ça se réveille. Je m'occupe du travail, concentre-toi. Hey. Non mais j'ai pas mis beaucoup de freins. Ah c'est pas grave. Tu sais qu'il y en a quand même quelques-unes. Ah doublé. Non. Je te jure. Jure. Je sais pas. Attends. Ah je touchais un peu le fond. Mais... C'est bizarre. T'as avancé, on finit par un doublé, c'est la poussée rose. Hein. Tourne-moi un peu sur la droite, Yann. Ah, ça chante, ça chante. Elle est belle cette musique. Donc là on essaye de garder le poisson au centre du cercle avec le bateau. Il nous permet de laisser une ligne à l'eau pour essayer de doubler. Des fois ça arrive. Si on voit que le poisson essaye d'aller dans l'autre ligne ou quoi, là on prend pas de risque, on remonte tout. Mais là pour l'instant il est bien, il reste là. Elle arrive, hein, elle arrive. Hein. Je suis bloqué. Tout petit poisson. Ah j'ai la touche, départ, départ. Bon. Ah, de fou. Tu sais pourquoi t'as le départ? Moi je sais pourquoi t'as le départ. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi ça. Putain, je la relâche un peu. Tu l'avais? Allez. Ah t'as poisson? Ouais ouais. Ah putain, alors attends, on va couper, attends. Mais non, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour toi? Allez. Petit doublé, hein. Prends-toi là, tranquille à la main. Oh les gars, il me faut le baudrier, hein. Dis, elle est plus souple celle-là, la mienne, attention. Donc comme ça, en début de saison, comme vous pouvez le voir,
un poisson, un autre là derrière. C'est des bancs de petits poissons, c'est ce qui annonce une bonne saison, je pense. On va dire que c'est l'entraînement qui ouvre la saison. Voilà, on le voit, le poisson, il arrive. Donc ça, on va dire que celle d'avant, c'est un petit poisson. Là, ça sert à rien de tous les garder, on en a fait un beau déjà. On va les relâcher là. Ça permettra cet été de les attraper quand elles feront peut-être une quinzaine de kilos de plus. Voilà, celle-là, elle est piquée un peu de partout. On va essayer de la relâcher aussi, celle-là. Et regardez ce beau poisson. Si c'est pas un poisson roi, ça. Bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Allez, amis pêcheurs, on vous dit au revoir sur ce magnifique doublé, en vous souhaitant une bonne saison. Et apparemment, elle commence bien sur ce doublé qu'on va relâcher, qu'on va s'empresser de relâcher. Au revoir. Allez, ciao tout le monde.